Dimanche 22 janvier, Philippe Poutou était invité sur le plateau de BFM TV. Auprès de nos confrères, l'ouvrier syndicaliste de 55 ans, actuellement conseiller municipal de Bordeaux, a critiqué la réforme des retraites du gouvernement, ainsi que les macronistes, de façon générale. Quand on les écoute, on a quand même l'impression que c'est un peu des guignols, a-t-il lâché, en estimant que les différents ministres jouent et s'amusent avec les manifestants, les situations sociales qui sont quand même très dures, et ils le savent moins. Catégorique, celui qui a été candidat à la dernière élection présidentielle a déclaré, en guise d'avertissement, « Il y a tous les éléments pour qu'on ne s'entende pas et pour que ça dégénère ». Philippe Poutou s'en est ensuite pris à Emmanuel Macron et à Olivier Véran, en taclant leur attitude face aux Français, qui ne sont majoritairement pas favorables à la réforme des retraites. Ça joue au con. Ou ça nous prend pour des cons. On ne sait pas trop comment le dire, a-t-il affirmé, en déplorant le faible impact que peuvent avoir les manifestations sur les décisions prises par le gouvernement. On a le droit de dire qu'on n'est pas content, mais ça ne changera rien, au bout du compte. Ils le disent clairement. Supérieur à supérieur à remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement Borne-Train pouvoir juger arrogant envers les Français. Philippe Poutou a ainsi assuré, auprès de la chaîne, que ce manque de réaction de la part du gouvernement pourrait entraîner un durcissement du mouvement de contestation à l'encontre de la réforme des retraites. Cash, il a également dénoncé un foutage de gueule, qui dure depuis très longtemps, avant de reprocher aux hommes politiques d'écraser les gens. Ce à quoi la population riposte, comme il l'a souligné, on est dans une période où il y a la possibilité, enfin, d'une réponse à la hauteur des problèmes qu'on a. On subit ces discours-là depuis très longtemps, et bien avant Macron. Cette sorte de cynisme permanent, cette arrogance du pouvoir qui montre qu'il n'a pas peur. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran BFM TV.